Bonjour les gens, aujourd'hui on est dimanche 7 août et nous allons faire donc, pardonnez-moi, donc on va faire Ariel, celle-ci, on va le faire dans le tome 9, je vais y arriver, tome 9 grand classique, donc on va commencer par le B, parce que le B il n'a pas beaucoup, donc ça va aller vite. Alors le B, je crois qu'elle en a que sur son petit truc. Une bretelle, ok. Là, ça va être du noir automatique. Donc ça va aller vite. J'espère de finir bien avant, quoi. Là, sur le contour, c'est quoi? C'est du... pas la lucette. Oh, ça, lucette. Alors, donc, elle a juste ça, après l'autre côté. Parce qu'on ne voit pas trop, hein. C'est un peu dommage. Je vais mettre là, par rapport à l'autre. Alors, ça, c'est vrai qu'il n'est pas très évident au niveau du... ici ça va être du rose. Il y en a un petit bout quelque part, soit en haut, il y avait marqué, soit d'un côté. Alors là, ouais, c'est chouette, ça. Côté d'une main de façon, ouais, c'était ça. Ok, donc ça fait ça. Vous voyez assez. Donc on va essayer d'avancer. Donc on va prendre du rose. Soit, alors le rose, soit je vais prendre ça. Je vais prendre un rose un peu plus foncé. Je vais prendre peut-être un rose un peu plus foncé. On verra tout à l'heure. Alors, le orange. C'est du jaune orangé, bien sûr. Juste pour le 6. Alors. Donc il y aura trois styles d'orange. Voilà. Jaune orangé. Est-ce que ouais, il y a aussi un jaune. Après c'est du 6 ici. Voilà, il n'y a pas d'autre. C'est ceci là. Après il y en a un là aussi. Alors, ça c'est ok. Après il y en a un là, un là, un là, un là. Après il y en a un là, un là. Ça c'est du 9, ok. Donc ça c'est du orange. Ça, l'orange. Comme ça. Voilà, c'est déjà mieux.
Après, on va prendre l'autre. Oh oui, sur le bord. Parce que des fois, on différencie du neuf du... Différencier du neuf du... Côté du... Alors... Même en bourse. Ok. C'est pour ça que je regarde quand même le... comment dire, le... Par rapport... Je regarde toujours le dessin. Déjà fait la solution pour le faire après, bien sûr. Hop là. De toute façon, ça se voit pas. C'est la petite faute. Ça ne se voit pas. Voilà. Donc, il y en a encore un là. Je crois que c'est dernier. Donc, il y en a 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième couleur qui est le 5. Et après on prendra le 4 quand il en aura besoin, bien sûr. Parce que le 4 il n'a pas besoin de beaucoup. Donc ça fait ça. Ok. Après. Voilà. Après, on va prendre le 4. Le 4, il n'y en a pas beaucoup. Ça va aller vite. C'est du orange, hein. Il reste encore le 5, c'est pas grave. Donc on va reprendre juste du rose pour faire le C. Donc le plus que ça pour faire le C. Alors, ça c'est ok. Alors, il nous manque maintenant un rouge pour faire les petits cheveux. Ariel, bien sûr, donc du 3. Hop.
Donc ça fait ça. Un petit tuyau. Là, il y a encore ici. Alors, ici. Alors. Voilà, ça c'est OK. Donc ça c'est OK. Regardez si c'est du 3 parce que j'en doute. Ah, c'est du 3. Hein. Voilà. Donc ça fait ça. Alors la petite. Ok, donc la petite bouche, c'est bon. Du sillon, ça, ça dure. Donc je vais prendre juste un rouleau. Bonjour les gens, on est toujours le dimanche 7 août et nous allons continuer donc le coloriage de Ariel dans le tome 9, grand classique. Alors, donc on va prendre le rose. Maintenant j'ai trouvé un rose, donc on va le trouver. Donc c'est le C. Donc, je vais faire du C. Alors le C. D'accord. Alors le C.
Ça c'est ok. On a un. Il en a un. Il en a un. Non. Il en manque un. Même deux. J'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. On est très bien là. Très bien là, je pense. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 9. Alors, il manque un 5. On peut l'oublier aussi. Pas grave. Il reste du 3 ici. Ici, il manquerait une bouche. Un sous-bras. Un sous-bras. Ah non, là, c'est bon. Il en reste du. Ah, c'est tout. Je crois qu'il y en a plus. Et trois. Ok. Donc le 6. Le 6, on a dit que c'était du jaune encore. Le 6, alors ça c'est jaune. On a oublié. C'est pas trop grave. Hein. Qu'on oublie maintenant. Pas du tout. Voilà. Donc on a fait déjà la moitié des couleurs. Donc il y a du dé. Alors du dé, par contre, le dé, je vais prendre ça. Ou du dé, pardon. Du dé, ça va être ça. Pour les yeux bleus qu'elle a. Donc ça fait ça, c'est bleu. Après, si, vas-y, j'avais bien qu'à oublier quelque chose. Mais c'est pas grave. Donc ça c'est ok. Du A, on va prendre du A. Alors le A par contre, est-ce que j'avais pris un A comme ça? Pour le A, je crois que c'était ça. Ouais, ça c'est du A, donc ça va être du A automatique, hein. Voilà, ouais, ça va être du A, donc le plus beige. Donc ça fait ça pour le A. On va faire le A ici. Après, le 0, ça va être autre chose. Donc voilà, donc ça c'est du vert. Après, il n'y a pas d'autres 1 que je regarde bien, parce que des fois, on peut oublier que tu as. Ça peut arriver. Alors, on va prendre le bleu maintenant. On va faire de ce côté-ci.
Donc ici c'est 0,0, mais hop. Alors, du 8, du 1, ici. Après, donc on a fait tout ça déjà, vous voyez. Alors le C. Si on avait ici. Hop. On avait que deux. Ok, donc ça c'est ok. Vous voyez. Après, ici ça va être du 0. Du rouge, donc après, donc on a dit qu'on prenait du 9 et du 0. Alors le 9, on va le prendre. Ah, le 9, ça va être ça. Ça va être du 8. Ça va être du 0. Ça. Voilà qui reste grave. Zéro. Là c'est du 9, là c'est du 0, enfin, du D, c'est encore du D.
Donc, après, on va passer au 9. Donc, on a passé ça déjà. Alors, est-ce qu'il y a du 0? Ça peut arriver, hein. Alors là, on va prendre du... ça a du 6 encore, il reste un 6 là. Alors on va prendre du 9 maintenant. Alors, du 9, ça va être un l'air un peu plus foncé. Donc ce sera ça. Pour le 9, parce que ce sera l'avant-dernière à faire au niveau vert. Là, ça bouge un peu. Donc c'est ça, on va aller un peu. Merci. Thank you.
Donc, on a presque terminé. Je l'ai bien presque. Donc, ici, c'est le but. Voilà. Donc, ça fait beaucoup. Ceci, c'est bon. Alors, on a une base ici. Alors, il nous reste du 7. Il nous reste du 7. Du 8. 7, 8. Je crois que c'est ce qui reste. Donc, on va prendre le 7. Alors, le 7, ça va être ça. Non, 8. Ça, c'est plutôt du 8. On va le faire tout de suite. Le 8, donc ça va être fait. Donc, on va juste à faire. Il nous reste 7 étains et ce sera la dernière couleur qui nous restera à faire. Donc, je vais vous laisser là déjà après. Il reste du 2 qu'on a vu tout à l'heure. Il nous reste la nappe. Donc je vous montre déjà ce que ça donne. C'est super bien, moi je connais. J'adore. Voilà, pour l'instant, le 1 ce sera ça. Le 8 ce sera ça. Ah, il nous reste du 2 aussi après à faire. C'est juste le visage. Hop. Il reste un 3 là. Pas vu papy. Oh non. Pas vu papy. Il est où le 3? Pas vu papy. Juste là. Ouais. Mais bon, c'est pas vu. Hein. Donc il reste du 3 aussi ici. Pas vu après, comme d'habitude. Voilà. Il ne reste plus grand chose à faire. Niveau 8. Donc ça fait ça. Moi je la trouve super cuisine. Super sympa la petite Ariel. Quand on fera les deux pages, ce sera mieux. Okay. Relais gens, on est toujours le dimanche 7 août et nous allons terminer le coloriage de Ariel. On va le terminer ensemble. Voilà, on va essayer de terminer. Alors j'avais un violet. Un violet juste là. Là c'est quoi? Ouais, c'est un bleu aussi. Voilà. Donc, on en était au 2. Alors, le 2, par contre, je vais reprendre. Ouais, je vais prendre ça pour le 2. Parce que le 2, il met que c'est du marron, mais quand on y passe dessus,
Ah non, c'est du rouge. Rouge foncé. Donc ça, le 10. Donc ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas. Il nous restera du 7 et du 20. Ce sera les deux derniers à faire. Voilà, il reste un 3. On n'est pas pris bien sûr. Voilà, il nous reste un 8, bien sûr, ici. Voilà. Après, ça c'est du 7, du 7, du 7, du 7, du 7. Donc il n'y aurait plus du 7 là. Là c'est un 6 qui nous reste. Pas grand chose. En dessous c'est quoi? Parce que j'ai un doute. Si c'est un 6. Ok. Maintenant on va faire le 7. Le 7, ce sera un beige red, comme ceci. Ça, c'est du 1. Ouais, c'est exprès. Voilà. Et c'est aussi. Donc ici aussi, après c'est du 1, bon, que ce soit du 1, c'est tout bon, à tout fait. Alors maintenant on va faire le 1, la couleur noire qui est la dernière couleur. Alors on va faire déjà le petit, ici on n'a pas, ici non plus, alors, on va faire les petits. Les petits yeux après derrière on va les faire. N'inquiétez pas, juste reprendre le rouge là, parce que des fois le vert aussi. Voilà, ça faut un peu tout reprendre parce que des fois ça c'est pas évident hein. Donc voilà, donc on va prendre maintenant le noir pour Ariel. Donc ça fait ça. Re les gens, on va faire la dernière partie de la vidéo. Et on est toujours dimanche 7 août. Et on va faire la dernière partie de la vidéo. Donc voilà. J'espère que ça ira pour vous. Parce qu'on fera juste la dernière partie. Hop. Hop. Donc ça fait ça. On va essayer. C'était un peu plus dur à faire. Voilà. Donc voilà, donc on a terminé. Donc voilà le comment dire, le coloriage. Je vais juste reprendre un petit peu. Des fois, petit coloriage, des fois, c'est pas trop bien. On va regarder un petit peu. Donc voilà ce que ça fait au niveau du coloriage. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire en dessous de la vidéo. Je vais regarder si j'ai rien oublié au niveau de mes yeux, parce que des fois c'est pas arrivé. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est pas obligé. Et je vous dis à lundi les gens, salut!